Footballeur, peu importe, même si c'est difficile, fais ceci. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, je conseille le footballeur ou tout autre acteur intervenant, bien sûr, dans ce secteur. Si vous partagez cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Beaucoup de footballeurs traversent, bien sûr, des tempêtes, c'est-à-dire des moments difficiles. Ne pense pas que cette tempête, c'est à ton niveau seulement, c'est à plusieurs niveaux, c'est à tous les niveaux. Et chacun essaie, bien sûr, de traverser cette zone de turbulence, chacun essaie de traverser cette situation. Maintenant, toi qui veux, bien sûr, baisser les bras, peu importe les difficultés que tu traverses dans ta carrière de footballeur, ne baisse pas les bras, reste scotché, qui s'accroche, décroche, et tu verras que tu seras, bien sûr, au bout du tunnel. La vie, c'est la guerre. La vie, c'est la guerre. Il faut penser comme ça. La vie, c'est la guerre. Personne ne te rendra la vie facile. Personne ne t'ouvrira des portes. Personne ne te montrera, bien sûr, ce chemin pour pouvoir signer le grade, pour pouvoir atteindre, bien sûr, ce niveau. Personne, absolument personne. C'est toi seul. Peu importe la difficulté que tu es en train de traverser, accroche-toi. N'oublie pas ce que tu as fait, c'est-à-dire le plan que toi-même tu t'es fixé, le plan que tu t'es dressé toi-même, l'objectif que tu veux atteindre. Sois discipliné par rapport à ces objectifs, peu importe les difficultés. Des gens, bon, et les choses essaieront bien sûr de te mettre en arrière, certains essaieront de te mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est jamais facile, ça a été toujours comme ça. Essaie de l'éviter, c'est vrai, tu es dans une zone de turbulence, tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas le bout du tunnel alors qu'il y a une lumière au fond là-bas. Cherche à atteindre bien sûr cette lumière. Pas le travail acharné au quotidien. Pas les consignes respectées de ton coach. Pas les conseils ici à mettre en application bien sûr ces conseils. Et tu verras qu'un jour tu sortiras la tête de l'eau. C'est juste une question de temps. Si tu t'accroches, si tu travailles réellement, si tu es discipliné. Maintenant, si tu as les objectifs, si tu as les manières bien sûr d'atteindre ces objectifs et tu n'es pas discipliné, il n'y a rien pour toi. Peu importe les difficultés, tu vas traverser les difficultés. Si tu arrives à te discipliner au jour le jour, si tu arrives à atteindre tes objectifs journaliers, toujours, ça fait un effet boule de neige et tu vas bien sûr traverser cette difficulté que tu es en train de vivre actuellement. Peu importe si c'est difficile, tu dois bien sûr retrousser les manches et travailler. Peu importe ce que tu es en train de vivre, c'est vrai, peut-être que tu es dans un coin du monde et tu ne trouves pas. C'est difficilement que tu arrives bien sûr à joindre les deux bouts. Peut-être que tu as bon une famille et bon, tu as déjà loué, tu es en location et tes moyens sont tellement limités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela, c'est-à-dire à ce manque de moyens, à ce moment difficile sans manger? Il faut travailler. Et je vous ai dit, chaque fois que vous allez aux séances d'entraînement, chaque fois que vous voulez aller travailler ou bien aller courir, mettez dans la tête, je vais chercher des milliards. Je vais chercher des millions. Si quelqu'un vous demande, ben, où vas-tu? Tu vas t'entraîner? Qu'est-ce que tu veux? Je vais chercher des millions. Il faut que ce soit votre cri de gueule, que ce soit votre credo. Et c'est juste une question de temps. Si tu arrives à faire ce qu'il faut faire, si tu es discipliné. Maintenant, si tu n'es pas discipliné, au lieu que tu fasses, bien sûr, 3 ans, 4 ans, à 5 ans, à travailler d'arrache-pied, tu feras 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc la discipline, c'est très, très important. Malgré les difficultés, tu dois pouvoir, bien sûr, bon, te mettre au pas par rapport à tout ce qui se passe, tu vois. Quand ça tourne mal, c'est facile de dire que bon, je vais abandonner et tout, c'est très facile d'abandonner. Mais ici, sur la chaîne, ici, nous, on ne vous apprend pas à abandonner, mais on vous apprend à être tenace jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jamais abandonner. Ces souffrances-là sont des tests. Prenez cette souffrance que vous vivez comme des tests qu'on est en train de vous faire. On est en train de vous tester pour voir si réellement vous allez résister jusqu'à la fin. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile sur la terre. Même ceux qui ont déjà des milliards, même les Cristiano Ronaldo, même les Lionel Messi, continuent de travailler au jour le jour parce qu'ils veulent toujours être au sommet. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont les maîtres, ils sont les meilleurs. Il ne s'agit pas de dire que je suis meilleur à la bouche, mais il faut l'être réellement, il faut avoir des comportements pour. Il faut poser des actes pour être meilleur. Et ça passe par ces chaînes YouTube. S'abonner à ces chaînes. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la cloche de notification là dès que je sors de nouveaux contenus. Vous êtes rapidement informé. L'autre chose, si vous voulez, bien sûr, des conseils, plus 229 53 63 87 30. Ce n'est que comme ça que vous pouvez bien sûr gagner beaucoup de choses.
J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. J'espère que je vous aurai motivé. Donnez-nous la force, bien sûr, de faire 3 vidéos par jour. C'est juste une question de temps.